Bon, pour parler du titre de la pièce, il faut que je remonte un petit peu en amont pour expliquer comment elle s'est construite. C'est une pièce que j'ai produite à l'occasion d'une exposition au centre d'art qui s'appelle la Maison Salvan à la Bège, près de Toulouse. L'idée était de récupérer un objet qui était dans ma maison familiale, à savoir c'est le lit de mes parents. Mon père qui vit encore dans cette maison, mais plus avec ma mère, est en train de se débarrasser de la plupart des objets, du mobilier qui lui rappellent des choses passées. Ce lit, puisqu'il s'agit d'un lit, avait été construit par mon grand-père, qui était soit ébéniste, soit menuisier, soit charpentier, je ne sais pas exactement. Donc c'est un objet qui pour moi avait une certaine importance patrimoniale, qui renvoie aussi à un métier. Et je trouvais terrible de jeter ce lit en même temps. Moi-même, qu'en faire? Est-ce que je le conserve ou est-ce que je le mets? Et du coup, ce travail-là, c'est un travail de sculpture qui renvoie à la question du stockage. L'idée du titre, elle est assez importante dans mon travail. En fait, j'ai toujours un peu eu des velléités d'écriture. Et pendant très longtemps, j'ai utilisé les titres un peu comme des étiquettes sur des objets. À un certain moment dans mon travail, après avoir fait une pièce à partir de textes d'Annie Ernaux notamment, j'ai considéré que le titre pouvait être un lieu d'écriture en tant que tel. C'est-à-dire, non pas une étiquette sur un objet, mais une espèce d'accompagnement parallèle à l'objet, et que chaque titre pouvait finalement quasiment avoir son autonomie littéraire. C'est pas tout à fait le cas sur cette pièce-là, précisément, c'est-à-dire qu'après avoir utilisé beaucoup de titres qui étaient des accompagnements, là je suis plutôt revenu à un titre qui indexe le travail, qui le désigne. Donc c'est simplement le lit. Alors, je peux répondre de différentes manières à cette question de l'accompagnement. Et j'ai parlé de trois personnes. J'ai réalisé ce travail avec un ami ébéniste. On a travaillé en collaboration et j'envisage d'ailleurs de nouvelles pièces. Je vais continuer avec lui, mais en essayant d'intervenir un peu plus, enfin, en gros de me faire former. La question du travail, même du rapport à l'artisanat, m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien être autonome un jour sur ce genre de pièces. Mais là, concrètement, voilà, je me suis fait aider de Julien Sueur, donc, qui est ébéniste à Marseille. Si je vais un peu au-delà de cette aide purement technique, le travail s'est fait en collaboration assez étroite avec Paul de Sorbier, qui a organisé l'exposition donc dans le centre d'art de la Maison Salvan. On va dire qu'il y a une troisième figure d'échange qui là est très biographique. Alors il y en a une ou trois, hein. Il y a mon grand-père dans cette histoire et il y a mes parents qui ont passé toute leur nuit ou presque dans ce lit. Et ce lit a été construit donc par mon grand-père, que moi j'ai jamais connu. Et d'une certaine manière, c'est un dialogue aussi comme ça avec lui, mais qui n'est pas purement. Il y a une dimension affective dans mon travail, j'assume totalement. Mais au-delà de ça, il me semble qu'on est dans une période historique où les savoir-faire disparaissent, et alors peut-être qu'ils vont réapparaître, je le souhaite pour ma part, mais où ce type de meuble, qui était plutôt fait pour se transmettre de génération en génération, et une espèce de rupture dans le passage générationnel, c'était une manière de faire en sorte que cette rupture n'ait pas lieu, quoi. Alors, je vais répondre de manière un petit peu décalée, parce que c'est d'abord, bon, je connais le travail des Mountain Cutters, mais je ne connais pas la pièce précise qui se trouve par hasard à côté dans les classifications, dans le classement du FRAC. Par contre, je peux dire un mot sur le fait que cette pièce soit dans cette collection publique. À la base de ce travail, il y a le travail d'un
menuisier, ébéniste aveyronnais qui a fabriqué un mobilier. Et ce mobilier allait être perdu. Donc pour moi, cette pièce, dès le départ, je l'ai conçue comme une sorte d'hommage à ce grand-père, en essayant de produire un objet. C'est-à-dire, c'est pas une pièce purement conceptuelle. Il y a vraiment l'idée de produire un objet qui soit à la hauteur de l'objet initial et une certaine manière de ne pas décevoir l'aïeul que j'ai jamais connu, quoi. Et donc ça a un sens particulier que ce soit cette pièce qui se retrouve dans cette collection. Si on réfléchit au destin des objets et à la question du déchet, en fait, qui est très actuel, hein, pour plein de raisons, des objets peuvent finir à la déchetterie ou dans un centre d'art, et parfois ce qui se joue entre l'un et l'autre, c'est très très étroit.